Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 29 juin 2022. J'ai de la broue dans le toupette parce que c'est arrivé toutes sortes, plein de choses aujourd'hui, puis c'est loin d'être fini, ma journée n'est pas finie. Moi, je vais être là jusqu'à 12h30, puis Jocelyn va être là à partir de 14h, à moins qu'il décide d'arriver avant. Parce que je suis dans le jus total, tu sais, c'est quand même les vacances du mois de juillet un peu pour tout le monde. Puis moi, j'avais ma moto qui était HS deux étages dans le garage en bas. Il a fallu que je m'organise avec l'administration. On l'a tiré dehors. Je me suis même fait un nouvel ami parce que le concierge, le gars, c'était un maniaque de moto. Il m'a montré ses photos de moto et tout. J'ai voulu lui donner un pour moi. Jamais qu'il a voulu l'accepter. Yvonne, hey, il parle trois mots en anglais, mais surtout en italien. Mais ça fait rire, c'est drôle, je dis, tu vas m'apprendre l'italien, moi je vais t'apprendre le français. Puis ça a été bien drôle. Fait que là, la moto est dans la rue, puis là, il faut l'envoyer réparer, puis là, j'ai été pogné avec les assurances, les ci, puis les ci, puis les ça. Savez-vous, des fois, que ça vaut pas la peine de déclarer aux assurances? Quand tu as un déductible de 500$, puis la réparation va en coûter 600, bien, ça vaut pas la peine. Ah, mais par contre, il y a ci, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a le towing, puis il y a... C'était différent. Fait que là, je suis dans un litige, parce que quand tu parles à la personne qui dit « Est-ce que je le rouvre, votre dossier, ou pas? » Non, madame. Ouvrez pas de dossier pour tout ça. Si vous ouvrez un dossier, c'est une réclamation. Fait qu'elle dit « Moi, je peux pas répondre à ça. » OK, je vais retourner à mon courtier, parce que moi, je veux savoir si... J'ai 500 déductibles, mais ça va peut-être coûter 1 000, 1 200, OK? 600-700 de plus, OK? Mais est-ce que ça va me pénaliser, ça, dans les prochaines années? Est-ce que là, j'ai plus de marge de manœuvre? Si jamais il arrive quoi que ce soit, à cette heure, mes assurances vont doubler? Ou
Ça n'a aucune incidence parce que j'étais pas responsable. Écoute, c'est pas des jokes, là. On joue au tennis. T'envoies la balle d'un bord, t'envoies la balle d'autre bord. Mais moi, j'aime ça trouver les... Ben, vous me connaissez, là. J'aime ça trouver les réponses. Je me fie pas rien qu'à une affaire. C'est la même chose qu'on fait en analyse technique. Je regarde le marché, je regarde les secteurs, je regarde les stocks. Je regarde la direction, je regarde les résistances, je regarde les supports. Je mets toutes ces choses-là ensemble. Mais comment vous pensez que je peux être autrement dans ma vie personnelle? Moi, là, appeler l'assureur qui dit « Oui, monsieur, pas de problème, vous êtes touriste, vous êtes assuré. » « OK, ah oui, là, viens tout chercher ça. » Oui, mais après ça, mes assurances vont tripler pendant 3 ans. OK. Ça me prend 1 heure de téléphone d'un bord à l'autre pour comprendre, mais on dirait que le système est fait exprès pour que ce soit fait de même. Et les gens ne sont pas assez informés. Fait que, moi, je m'en fous, là, est rendu dehors la moto. OK. Je peux appeler CA, ça ne me coûte rien. Elle l'emmène chez le gars qui va la réparer. Il va me charger 600-700$. Si je le déclare à l'assurance, j'ai 500 déductibles, ça m'a coûté 200$. Oh! Ils vont payer le towing, mais tu sais, moi, c'est « Ah, oh, il ne me coûte rien, oui. Anyway. » Fait que, ben, je l'ai parce que je le paye annuellement. Ben, OK, je le fais. Ben, finalement, on va sauver 200$, mais OK, mais il ne te le dit pas. « Ouais, mais ça va me coûter combien dans les 5 prochaines années pour m'assurer sur ma moto? Ça va-tu m'augmenter de 500 par année? Ça va-tu m'avoir coûté 2 000$ de plus, cet incident-là? » Mais c'est extrêmement difficile de trouver ça. En tout cas, OK, on passe à autre chose. Je vous embarque souvent dans les affaires de ma vie, mais je pense que les affaires de ma vie, ça intéresse souvent bien d'autres mondes parce que on est tous, vous n'avez pas tous des motos, mais vous avez des autos. Puis on est tous confrontés pardon, à la même chose. Tout ça pour dire que le marché est foutrement plate. Regardez, ça, on a ici un graphique en 4 minutes, donc on est à peu près sur 3 jours. Hein. Aujourd'hui, 28, 29, 27, un petit bout du 24, ça c'est vendredi. Bon, on était là, on est descendu là mardi, et... ça, attends un peu, 27, ça c'est forcément lundi, donc ça c'est mardi. Ah oui, on est mercredi. Bon, lundi, il ne se passait rien. Mardi, on a chuté, puis là, on se pose la question si on va aller par là ou par là. Puis là, je vais vous montrer l'espace qu'on a à faire par là puis par là, OK? Des deux bords. Oh, je suis parti de ce temps-là à faire des prévisions, là. Ça me met de la pression tout le temps à faire des prévisions, mais... Ben, so far, so good. Parce que vendredi, c'était la Saint-Jean. Jocelyn et moi, on a été présents. Tous les employés de la compagnie étaient en congé. Par contre, quand on a eu quelques petits problèmes, on a fait clic, clic, clic. Puis les employés de la compagnie, ils nous ont répondu. Ils étaient en congé, mais ils nous ont répondu pareil. OK, ça fait que nos opérations ont quand même très bien fonctionné. Mais... Le changement était vendredi. Puis là, on a eu un début vendredi, lundi, mardi, puis hier mardi, moi j'ai dit, fin du rebond. Hein, ça a monté ces 3 jours-là. Vendredi, jeudi, je disais, regarde, moi je pense que ça pourrait encore descendre, ça dépend de ce qu'ils ont. On ne voit pas qu'est-ce qui peut faire monter le marché, à part que le marché qui veut remonter lui-même. Mais c'est sûr qu'on doit aller par en haut. On était sur le creux des couloirs. On était sur le creux. Pas besoin de graphique pour ça. On était sur le creux des couloirs. Puis, ça remonte toujours vers le couloir. Fait que, finalement, vendredi, ça arrive. Fait que là, j'ai dit, OK, bien, tout ce qui rebondit, une demi-position. Pas trop d'action, puis pas trop de stop. OK? Parce qu'on est dans un point tellement important techniquement et psychologiquement. Ça, je vais vous le montrer tout de suite, par exemple, parce que c'est bien plus... Ça, c'est une chose extrêmement importante, là, que tout le monde doit comprendre. OK? Regardez, là.
Oups, tiens, ça prend des... Il faut montrer le graphique, par exemple. Donc, là, ici, tous les sommets sont négatifs. OK? Tous les creux sont négatifs. Regarde, on pourrait jouer avec celle-là un peu, puis la descendre là, elle passerait pas mal plus parallèle, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est à 90 % parallèle, les couloirs, tout le temps. À 90 % du temps, les couloirs sont à 90 % parallèles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas exacts. OK? Ils ne sont peut-être pas exacts si vous mettez une règle, si vous prenez quelque chose. Mais ils sont à 90 % presque parallèles, toujours. Puis ils sont toujours parallèles. Vous n'en sortirez pas. Parce que si vous voulez contredire ça, là, ben vous allez avoir raison une fois sur 10, puis moi, je vais avoir raison 9 fois sur 10. Je vous le dis, là. C'est pas toujours facile de s'affirmer, puis maudit que ça peut avoir l'air prétentieux. Mais y a-t-il une autre manière de convaincre les irréductibles? On fait une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. One, two, three. Bon, welcome back. Bienvenue au retour. Bon, écoutez, vous comprenez que pourquoi que j'y vais dans certaines élucubrations aujourd'hui, c'est que je ne sais pas ce que vous attendez à ce que je vous dise, là, mais c'est le département des miracles, c'est pas ici, OK? Regardez. Ici, c'est le département de la réalité. Il y a la télé-réalité, puis il y a la bourse-réalité. Puis la bourse-réalité, là, il n'y a absolument rien de positif. Peut-être qu'on pourra avoir un petit rebond à Toronto, etc. Mais pour l'instant, la direction, c'est vers le bas d'hier. Parce que moi, je n'ai pas changé ma prédiction. Regardez. On est rendu à 21 heures de formation. On a 5 épisodes de fait juste dans le swing trading. Puis on est loin d'avoir fini parce que
À manière que j'ai repensé ça encore par après, mais tu regardes, on a décidé de faire la formation live et évolutive pendant que le marché a évolué. J'avais prévu la formation pour être durée 3-4 mois. Donc, peu importe le prix que vous avez payé, ce que vous avez obtenu dans les produits avec la formation, c'est pas quand elle va être finie. C'est quand elle va être finie. Parce qu'à un moment donné, je vais avoir été rendu à la fin. Mais je l'ai dit, plus tard, je vais devoir rajouter des segments. Je pense que quand j'aurai pas à rajouter de segments parce que les choses n'ont pas changé, puis on n'est pas obligé de les rajouter là, ça va devenir des ajouts après. Vous allez avoir le droit aux ajouts, mais vous n'aurez plus le droit aux produits. Donc, pour l'instant, depuis qu'on a parti de la formation, vous avez le droit aux produits, puis m'a dit une affaire, vous avez le droit aux produits encore pendant un méchant bout de temps, parce que je suis loin d'avoir fini. On va avoir fini quand je vais être satisfait. Écoute, moi là, j'ai parti une formation dans un marché baissier, OK? Puis regarde, on vient de connaître un petit rebond sur Nasdaq, sur le Dow, puis sur le SPY, mais comme les autres, OK? Fait qu'on n'a pas de bull market ici, là, nulle part, là. Vous ne trouverez rien en bull market, là. Il n'y en a pas, là, dans n'importe quel secteur. Donc, tout ça, ça va changer. Donc, c'est un peu comme le miroir à l'envers, là, OK? Tu pognes le graphique qui descendait, tu le revires à l'envers, tu regardes à travers, « Hey, c'est un bull market! » Attention, là, tu es rendu au sommet d'un bull market. Si tu revires un graphique à l'envers, en bas d'un bear market, si tu le revires à l'envers, il va devenir un au top d'un bull market. Fait que je l'ai dit que c'était la ferme intention que cette formation-là soit la dernière de ma vie, mais que c'est que je ne savais pas encore quelle date qu'elle finirait. La date qu'elle va finir pour les produits inclus, qui sont tout inclus, nos produits, dans le prix de la formation, c'est quand on va arriver à la fin. Mais regarde, on est rendu à au moins 6 heures d'explication juste dans le swing trading, puis crème, on est dans un marché baissier. Puis on mélange là-dedans que, OK, en swing dans le quotidien, mais regarde dans ton graphique en 30 minutes, en intra-séance, même si tu n'es pas un day trader, tu vois bien c'est où la place qu'il faut savoir virer, là, puis c'est là la place, là, OK? Il y a des affaires, là, que je ne changerai jamais. Je vais être mort, puis ces vidéos-là, ils vont être encore bons. Parce que ce que j'essaie de faire dans chaque vidéo, c'est dans chaque session, c'est de parler des grands... Les cochonneries, là. Tu sais, analyser les titres pas analysables, analyser les titres qui font pas de volume, essayer de faire de l'argent quand le marché fait rien, toutes ces affaires-là. Hey, regarde, ça, c'est toutes les affaires que j'essaye d'enseigner au monde, de dire, hey, paye pas ton temps ici, là. C'est ici qu'on peut faire de l'argent. C'est comme le swing trading. Imaginez-vous c'est quoi. Dans la prochaine session, on va regarder c'est quoi la vie d'un swing trading. Quand est-ce que ça peut commencer? Quand est-ce qu'on peut entrer? Quand est-ce qu'on peut prendre un premier profit, un deuxième profit, puis où sortir? Je l'ai déjà expliqué, mais on va y revenir encore dans la prochaine. Quand on est dans un marché baissier, puis que là, on est dans... Regarde, un cycle haussier, ça part toujours d'une formation neuve. OK? Puis ça arrête à une formation neuve. Parce qu'il commence quand la dernière cote est égale à l'autre d'avant, puis elle finit quand celle qui monte est égale à l'autre d'avant. Là. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, c'est basic. Là. Tu pourrais apprendre ça à un enfant de 7 ans. Pas compliqué à comprendre, c'est où ça commence, puis c'est où ça finit. On pourrait faire un jeu pour un enfant de 7 ans avec ça. Puis tu dirais, regarde, tu lui montres ça, puis après ça, tu lui montres des graphiques, puis il va te dire c'est où les tops et les sommets. Là. C'est tellement enfantin. Excepté qu'il faut toutes mettre les affaires ensemble. Donc, quand ça descend, quand c'est une tendance baissière, quand ça monte, ce n'est pas un cycle haussier, c'est un cycle à la hausse.
moi, je fais la distinction entre un cycle haussier et la hausse. Haussier, haussier, ça veut dire, haussier, c'est dans une tendance haussière. À la hausse, c'est un rebond. OK? Deux manières de dire un rebond. J'aime mieux l'appeler rebond, c'est plus simple. Ça veut dire rebond, ça veut dire, hey, t'es de... On ne parle pas de rebond dans une tendance haussière. Ben non. Pas en tout. Si ta tendance haussière, elle arrive, puis le dernier cycle, il redescend égal au début de son cycle, ah bien, c'est fini. Aller-retour. Donc, les tendances, c'est une série de cycles à la hausse. Si le dernier cycle s'annule, c'est fini la tendance haussière, on est en tendance neutre. Puis là, si ça repart à la hausse, bien là, c'est un rebond. Oui, les rebonds, ils existent dans les tendances baissières et dans les tendances neutres. Parce que dans les tendances haussières, quand on redescend puis qu'on ne se corrige pas jusqu'au creux précédent puis qu'on demeure dans notre tendance puis que ça repart, c'est le début d'un nouveau cycle haussier. Regarde, quand vous arrivez à l'école, je m'en souviens, là, moi, quand on est à l'école, là, on apprend après à faire des A, des B, avec des cahiers à deux lignes, hein? On fait des A, des B, C, D, ça. Bon, après ça, ils nous donnent des cahiers à une ligne. Puis après ça, ils nous apprennent des mots. Ah, OK. M, I, C, H, E, L. Passionné. P, A, S, S, I, O, N, N, E. OK? Là, vous apprenez à faire des mots. Vous ne savez pas encore faire des phrases. Vous savez juste écrire le mot table. Pomme, OK? Pourquoi des fois il y a deux M, puis pourquoi il n'y en a rien qu'un, OK? Vous voyez la complexité de ce que c'est quand on a appris le langage? Bien, c'est la même chose dans la bourse. Moi, j'essaie de prendre tous les moyens en mon pouvoir pour essayer de vous inculquer d'être capable de faire ce que je fais, puis de voir ce que je vois, puis que ça ne vous prenne pas 35 ans. Mais ça ne peut pas se faire en 3 mois. Je peux vous donner toute la science, OK? Celle que je connais, et que pas que je contrôle, celle que je connais, celle que je me crois capable d'enseigner, et puis parce que je ne sais pas tout. Excepté que, jusqu'à date, ça marche. On a reçu des commentaires cette semaine de gens qui ont commencé à suivre la formation, puis ont dit, « Comment ça se fait que je ne voyais pas ça de même avant? Depuis que j'ai commencé, pfiou, mon portefeuille a changé de bord, j'ai arrêté de faire des niaiseries. » Puis tout ça, comme là, de ce temps-ci, étant donné qu'on est dans un marché, regarde, si on était dans un marché aussi, je dirais aux gens, regarde, t'achètes ici, c'est le début du nouveau cycle, ça monte là, et regarde, rendu à résistance, tu prends un profit. Ah ouais, drette là, mais un premier profit, OK? Puis parce qu'il peut continuer après, on verra après ce qu'il fait. Mais dans une tendance baissière, rendu à la résistance précédente, tu vas être rendu à ton deuxième profit. Ben oui, mais regarde, tu joues du négatif à la hausse. Faut que tu sois plus prudent puis moins gourmand. Puis quand tu es dans un marché haussier, tu peux te permettre d'être un petit peu plus imprudent et d'être plus gourmand. Voyez-vous l'équilibre des choses? Tabarouette. c'est l'adrénaline du Harley qu'on a sorti dehors un matin, les assurances, puis tout à l'heure, c'est comme « tout. J'ai envie de vous raconter plein d'affaires, mais c'est parce que c'est le temps d'en profiter, à moins qu'on ait manqué quelque chose. Là. Non, non, non. Non, non, non. On n'a rien manqué, regarde. On n'a rien manqué. Bon, regarde, on n'a rien manqué. Si le marché nous montre ça, on va aller voir les secteurs spécialisés. Attends un peu. Je vais retourner au marché, mais je vais mettre tout le monde dans exactement de la même manière. Pow! Fait que tous les graphiques que je vais ouvrir vont être pareils comme ça. Les mélanger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir manqué dans les dernières 15 minutes.
À part qu'on se prépare pour un rebond, peut-être, dans les airlines et recreational. Attends un peu, je vois Ali qui est là, mais pourquoi l'expert puis les autres sont là? Pourquoi Ali, lui, est en haut? Bon, il y a peut-être une information sur Ali. C'est facile. Là, je pars puis je m'en vais sur fabricant de véhicules électriques. OK. OK. Bon. OK. Bon. Ben, il y a juste Ali qui a fait ça. Pourquoi qu'il a fait ça? Je ne sais pas. Il y a sûrement une information reliée à ça, mais je vous le dis, en vérité, si vous achetez ça là, vous faites une grave erreur. On fait une petite pause, puis je vous explique pourquoi après. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bien, on est tellement diversifié ici dans nos sujets. J'étais en train de raconter à Jocelyn qu'il faut absolument qu'il vienne à la chasse à l'oie, à l'île aux grues. Puis, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose sur la bourse qui nous a emmené là en disant que comment les choses sont prévisibles. Il faut toujours que tu sois à la bonne place, au bon moment, avec le bon équipement, avec les bonnes connaissances, puis avec le bon guide. T'sais, ça prend un paquet d'éléments ensemble. Non, on part, vous savez... Et vous allez à la chasse, là, bien, facile. Vous inscrivez au gouvernement, vous pouvez passer un cours. Le premier cours, c'est le cours de maniement et de maniement des armes à feu. OK? Le cours fédéral. Le premier cours, c'est le maniement des armes à feu. Ça dure une journée. Vous passez un test à la fin de la journée. Puis même les arriérés mentaux, ils ont réussi le test. Mais c'est parce qu'ils veulent vous expliquer toutes les règles de sécurité. Ça a diminué de 98 % le nombre d'accidents depuis 40 ans, quand ils ont commencé ça. Après ça, vous avez un deuxième cours, qui est habituellement samedi puis dimanche. Là, après ça, c'est le cours de chasse à l'arme à feu. C'est pas compliqué, ils vous répètent la même chose qu'hier. Dans un autre contexte, là ils vous montrent qu'avant de traverser une clôture, vous ne traversez pas la clôture avec votre arme à feu sur l'épaule. Donc, vous glissez l'arme à feu. Non, l'arme à feu qui est, premièrement, pas de balle dans le canon, OK? Puis barré, puis glissez en dessous de la clôture. Vous traversez la clôture. Tout ce qui peut vous arriver, c'est vous arracher les couilles après la clôture. Mais vous ne vous tirerez pas une balle dans la tête parce que la carabine est à terre. Ça, ils t'apprennent tout ça. Ils t'apprennent à reconnaître c'est quoi une douille de fusil, une balle de carabine,
les plombs, ces affaires-là. C'est toujours, toujours, toujours orienté sur la connaissance et la sécurité, puis toujours sur la sécurité. On ne pointe jamais quelqu'un avec une arme à feu, chargée ou pas. Et puis ça, c'est ça. Ouais, mais là, vous êtes à zéro, là. Vous partez à zéro, là. Vous la lâchez à quoi? À Perdrix? Bien, ça, c'est à tel endroit, puis c'est de telle manière. Au Chevreuil? Bien, ça, c'est à tel endroit, puis c'est à telle manière. À Lorient? Bien, ça, c'est à tel endroit, puis à telle manière. Au Caribou? C'est à tel endroit, puis telle manière. Oh, c'est pas la même arme à feu. Oh, c'est pas la même équipement. Oh, c'est pas la même stratégie. OK. Ça me fait penser à ceux qui veulent ceux qui tradent. On trade toutes sortes d'affaires. On peut chasser toutes sortes d'affaires. Donc, comme vous voyez, c'est toujours, toujours, toujours un assemblage de connaissances, de bonnes connaissances, d'expérience, d'équipement, de contrôle de soi-même, OK? Puis d'opportunités. Bon, et ceux qui travaillent le jour ne peuvent pas faire du day trade la nuit, OK? Bon, je veux dire, d'opportunités. Tu peux aller à la chasse rien qu'une fois par année, mais avec des gens expérimentés, puis revenir avec du gibier la majorité du temps. Fait que, mais c'est exactement pareil à la bourse. Comment ça se fait que moi, depuis 40 ans, mon congélateur est toujours plein de gibier? Bien, c'est parce que j'ai mis les efforts de ce côté-là pour arriver à ça. Si je voulais, il serait plein de poissons. Mais je ne suis pas un grand amateur de poissons. J'aime surtout le doré et tous les poissons blancs, mais j'aime bien aller à la pêche. Puis quand je vais à la truite, je les laisse aux autres. Je les donne. J'aime pas le saumonné, mais ça ne m'empêche pas d'aimer pêcher la truite. Puis on ne la gaspillera pas. Elle va être mangée par quelqu'un. Tu sais, ça fait que... Tu sais, dans la vie, là, tout est une question d'analyse. Bon, moi, je pense que j'ai pas été à l'école pour être analyste. Non, j'ai pas été à l'université, moi, j'ai eu une 11e année. Mais mon université, moi, ça a été la vie. Les seules fois que j'ai mis les pieds dans l'université ou cégep, c'était pour aller donner des conférences. Parce que les professeurs, ils étaient dans le salon des parcs de placement, puis ils disaient, j'étais payé en plus pour aller faire ça. Tu sais, c'était juste que, je me souviens, à Ottawa, le professeur, il dit, regarde, mes élèves, là, c'est des finissants en économie. Mais j'ai été dans l'assistance, j'ai écouté ta conférence, il y avait plein de monde, là, ça débordait, j'ai écouté ta conférence, puis c'est drôle, j'ai dit, c'est drôle. Tout ce qu'il dit, ce gars-là, on n'en a pas parlé, nous autres. Dans toute l'histoire de la maîtrise en économie, wow. Un peu comme dans quand tu suis le cours de commerce en valeur mobilière, là, l'analyse technique, c'est une page sur 1000 pages. c'est une peanut. C'est l'analyse fondamentale, ça. Fait que, puis il est venu me voir, puis il dit, je vous ai écouté, puis j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que vous disiez. Puis c'est pas du tout ce qu'on a enseigné. Ça, c'est comme l'envers de la médaille. C'est comme vu d'un autre point de vue. Ah! Hey, je fais une coute pause parce que là, j'ai une anecdote qu'il faut que je vous montre. Là. C'était un gars qui avait une grosse veine dans la face qui m'a montré ça un jour. Puis il faut que je vous le montre. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
Bon, bon retour. Ce que je veux vous montrer là, ça date de... Moi, je vois le marché, là, parce que je vais bon, me faire chicaner s'il se passe de quoi sur le marché. Non, 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 regarde. Entre là et là, il n'y a rien à faire. OK? Regardez. Ah, attends un peu. Je vous le montre ici. Là. Regarde. Ça veut dire qu'est-ce qui fait que ça roule au-dessus de Ottawa. Regarde. Là, là, puis là. Comprenez-vous, là, qu'il n'y a rien qui se passe, là? Fait que si vous êtes présent, là, bien, je pense qu'il y a des choses qui valent la peine d'être apprises dans une vie. Puis, moi, on était un peu, environ 6 ou 7 personnes quand le gars a dit ça, mais c'était en 1979. Je travaillais sur la raffinerie Imperial Oil à Montréal, puis on était sur le chiffre de nuit, puis on était assis dans la control room, puis on lançait des affaires. Jean-François Hubert, qui ne m'écoute pas aujourd'hui, là, plus vieux que moi, lui, c'était le genre de gars, là, oh, c'est bizarre, là, tu sais, c'est comme, tu sais, le freak, là. Lui, là, quand il partait, là, il avait une grosse veine dans son front, là, tu voyais, là, elle popait. Mais ce gars-là a été un héros de la raffinerie de Montréal, OK? Parce qu'il y a eu un gros incendie de fournaise. Je vais passer les détails de c'est quoi un incendie de fournaise, mais une fournaise dans une raffinerie, c'est gros comme un quadruplex, OK? C'est énorme. C'est plein de tuyaux, plein d'huile, puis de clapotante, puis il y a eu une histoire extraordinaire, OK? Puis... le résultat qui est sorti à la fin, selon les rapports qui ont sorti, on dit que c'est arrivé à cause de ça, de ça, de ça. Lui, Jean-François Hubert, c'était un simple employé. Puis lui, il a dit, non, pas vrai. C'est pas ça qui est arrivé. Il a fait le tour, il a checké sa veine à popper, là, puis il a écrit un rapport, écrit en détail. OK? Puis envoyer ça à l'administration. Puis ça a passé au conseil de la raffinerie, OK? Puis il y a quelqu'un qui s'est présenté avec ça, puis il a ri de lui. Puis le directeur, le grand chef de la raffinerie, il est arrivé au meeting, puis il a dit, « Vous êtes toutes dans marde. C'est Jean-François qui a raison. » Puis il dit, parce que là, après ça, ils ont mis des analystes là-dessus. Lui, il avait, en tout cas, je me souviens plus trop exactement comment c'était l'histoire, là. C'est parce qu'il y a des pilotes, OK, des fournaises, là. Ça, c'est des énormes brûleurs qui chauffent des tuyaux pleins d'huile. Mais il n'y a pas d'air dans les tuyaux. Fait que tu peux chauffer les tuyaux aussi chaud que tu veux. Il n'y a pas de danger qui arrive à rien. Il n'y a pas d'air. Parce que tant que tu ne mélanges pas l'huile puis l'air, là, c'est juste de l'huile chaude. Fait que, puis, en tout cas, il est arrivé quelque chose, backdraft, whatever, les pilotes sont éteints, rallumés, éteints, whatever. Lui, il avait trouvé la faille. Fait qu'on était sur le chiffre de nuit, puis on parlait de choses un peu comme on parle dans la bourse aujourd'hui, puis ce que je vais vous montrer là, à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait vous servir le reste de votre vie. Que beaucoup d'entre vous, à l'âge que vous avez, savez déjà probablement. C'est juste que des fois, on l'oublie. Tu sais, le point de vue, OK? Des fois, tu regardes la même chose, mais tu le vois différemment. Fait que là, je suis le même. Ouais, ça me prendrait une caméra. Ça prendrait une caméra là, parce que vous autres m'écoutez de là. OK. Bon. Faudrait que je puisse changer ça de là à là. OK. On fait une petite pause, je reviens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, on est revenu. Pouf! Tu sais, moi, j'ai pas d'équipe de production ici, là. Fait que faut que je fasse les choses moi-même, OK? Fait que, je vais vous montrer quelque chose. Attends un peu. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse deux secondes, là. Là. Puis moi, je me mets comme ça ou comme ça. OK. Demain. C'est compliqué, les caméras, c'est à l'envers, hein? OK, demain. Demain. C'est elle qui est trop par là. OK. Bon, de même. Puis dans l'autre, c'est quoi que je vois? Ah! OK. Bon. OK. Bon. Là, je vous pose. Répondez pas, là. Je vais vous poser une question. Fait que de la manière qu'on était, c'est parce qu'on était assis différemment dans la salle là, en 1979. Puis lui, il dit. Attends, faut que je le montre comme il faut, là, bien comme il faut. OK. Lui, il dit, « Qu'est-ce que vous voyez? » Ben nous autres, la gang de cerveaux supposément bien intelligents, là, OK, dans la raffinerie, là, on a tous à peu près 25-29 ans, là, OK? Fait qu'on est tous des petits brillants. Elle dit, qu'est-ce que vous voyez? Fait que dans l'ensemble, il a répondu, nous autres, on a répondu, un rectangle. Parce que lui, il pensait qu'on répondrait un rouleau, un Scott Towel. Non, non, on lui a dit, on voit un rectangle. Ben lui, il dit, c'est drôle, moi, je vois un cercle. Vous autres, vous voyez un rectangle. Moi, je vois un cercle. Tout simplement parce qu'on est sur un différent point de vue. Comprenez-vous? C'est comme, OK, je m'excuse. écoutez, j'ai jamais oublié cette chose-là. Depuis 1979, l'année où ma fille est née, ma plus âgée, et ma première fille. Bien, j'ai rien qu'une fille. Mon autre fils, il est en 83. Ça fait que, est-ce que vous saisissez l'analogie? Maudit, c'est de l'ouvrage, je fais ça avec des caméras de même, là. Mais c'est ça l'analogie, OK? Tu dis, ah ouais? Moi, je regarde un rond, mais l'autre, il voit un rectangle. Mais c'est un peu ça aussi à la bourse. Ça dépend du point de vue que vous voyez ça. Il faut que vous voyez les points de vue du côté du trader et non pas de l'investisseur. L'investisseur, lui, le timing, c'est comme pas si important que ça. Mais le trader, lui, il s'en fout un peu, c'est quoi? On est rendu sur le creux, on va faire un petit bout, mais on est dans une tendance baissière, on va faire des petits profits. C'est correct. Attends-toi-en, on va faire des petits profits. Mais tu ne seras pas l'autre qui ne vend pas, qui est resté là tout le long de la tendance baissière. Puis dans le prochain revient. Puis le problème des tendances baissières, c'est la même affaire qui est arrivée en 2007-2008. Il y a bien du monde qui ont vendu en haut, rendu en bas. Ils ont fait énormément d'argent parce qu'on a eu un bull market, mais ils sont restés là dans le bear market. Fait qu'en bas, ils attendaient que leur argent remonte. Il n'y avait pas de cash pour acheter. Ça fait que, dans le bear market, tu gardes tes profits, puis quand c'est fini,
t'as du cash pour acheter à pas cher. C'est pas ça le but? Vendre cher puis acheter pas cher? Oui, mais c'est vrai pour le marché autant que c'est vrai pour un cycle. OK? Donc, dans une tendance baissière, on fait des petits profits, on fait des petits profits, on fait des petits profits quand ça monte. Mais on pense pas au long terme, là. Le long terme, ça va être dans... Ah, quand la tendance baissière va s'arrêter, comme là, on est entre les deux, on ne sait pas trop, mais attends, là, plutôt là, vous devez retourner par en bas, là. Anyway, mais on ne sait pas trop. Mais quand ça va arriver, regarde, Bibi, ici, là, il va être là pour vous le dire. Il va être là pour vous le montrer. Parce que c'est un plaisir comme moi. C'est comme d'emmener des chasseurs à la chasse qui ne connaissent pas la chasse. OK? Mais regarde, on est suracheté partout. Si vous pensez que ça, c'est le début d'un bull market, non, il y a une petite pause, là, mais inquiétez-vous pas, on s'en va au sport. Inquiétez-vous pas, c'est par là qu'on s'en va. Hey, Pierre, je vais checker ça en passant. Tu m'as dit, ben, la date, l'affaire a date de 6 jours, mais Pierre, il dit, comme chantait Plume, sous comme une botte. Oui, c'est. Mais je la connais pas, celle-là. Moi, la seule chanson, la grande classique que je connais de Plume, c'est que. On est ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac, gnac, gnac, gnac. J'en parlais avec Jocelyn il y a 3 quarts d'heure. Elle dit, ouais, mais regarde, imagine-toi qu'il écrit la même chanson. Hein. On est ouvert à vos commentaires si vous payez la bien, ou le gin, ou... Non, il me semble que cognac, c'était le meilleur mot dans la chanson-là. Voici mon opinion sur Shop qui a fractionné 1 pour 10. Ben, oui, 10 pour 1. Trouve ça incompréhensible de faire ça à une compagnie qui va très mal, qui a perdu 80% de sa valeur en 8 mois. Mais Stéphane, la raison, c'est qu'il essaye d'attirer un autre style d'investisseur. Hein, une petite pause courte. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Hacking Secret Off, c'est quoi ça, c'est un cochon? Hop, on est en onde. Oui, il y en a des bonnes. Assurance pas responsable égale pas supposé d'avoir une incidence sur la prime. Aussi pas responsable, pas supposé d'avoir la franchise à payer. Fait rien, je vais prendre la réponse qu'ils vont me donner parce qu'on a eu toutes sortes d'histoires. Mais, m'en fous, à la fin, ça fait pas grand chose. Mais je me dis, des fois, pourquoi payer si je devrais pas? Mais on n'est plus rendu à parler de 3-4 000 de plus ou 3-4 000 de moins, c'est des pinottes, là. Mais c'est juste les affaires. Si vous avez appelé les As, vous avez dû écrire tout le mot quand même. Si vous avez appelé les As, c'est déjà un événement dans votre dossier. Ce n'est pas vrai, France. Ce n'est pas vrai. Je me mets au défi de me prouver ça. Parce que j'ai parlé au courtier, puis j'ai parlé à la personne en direct qui rouvre le dossier de réclamation. Puis elle m'a bien dit, est-ce que vous voulez que je rouvre un dossier de réclamation? Puis j'ai dit, non. Je vais vous le dire de l'ouvrir quand j'aurai les bonnes réponses. Parce que si j'ouvre un dossier de réclamation, j'ai une réclamation, même si je décide de ne pas réclamer. Non. Attendez, madame. Vous n'avez pas la réponse pour moi. Il faut que je rappelle l'autre savoir pour savoir s'il y a une incidence parce que vous ne savez pas. Je vais vous rappeler, puis je vais vous rappeler. Fait que, non. Tant qu'on n'a pas. Si vous ouvrez un dossier, bien là, vous êtes fait. Là. Vous êtes fait, là, le dossier est fait. Là. AM à Toronto, à Nicole, 90$ en 2021. Et tabouère. Vendu un tiers à 69, ouch. Et un tiers à 67, ouch. Au cours des derniers mois, s'il vous plaît, ton opinion pour le restant. Oh, tabarouette! Ah, ça, c'est pas...
Voyons, attends un peu. Il y en a plein de symboles qui s'appellent AG, là. Je vais aller dans l'or, c'est plus facile. Or, clic. Agnico Eagle, il est là. Bon. Tiens. Oh, pas bien pour Eldorado, en tout cas. Oups, puis non plus pour Agnico Eagle. 5, F4. En quel. C'est quoi que tu viens de m'envoyer, là, Jocelyn? Je vois rien, là. Je suis pas capable, là. Pas le temps d'aller checker ton affaire, là, si tu l'as pas dit. Comment? Comment? OK, d'accord. Ouais, mais écris quelque chose dedans, là. Tu m'as envoyé un texte, c'est peut-être important pour que je clique dessus, mais là, regarde, on est en train de jaser de ça parce que tu n'as pas écrit un commentaire, s'il te plaît. AEM Toronto payé 90$ en 2021. À Toronto? 90$? Autant. OK. Ben, c'est un petit peu plus haut, là. 90, c'est un petit peu plus bas, là. C'est un petit peu plus bas. Oh, crime pof. OK. Bon, techniquement, là, ça, c'était pas bon. Ben, c'est facile à dire aujourd'hui. Tout le monde va dire la même chose. Puis là, en plus, il s'en va là. C'est comme tous les titres orifères. Regarde, les titres orifères s'en vont tous par là. Regarde, c'est pas compliqué, ils s'en vont tous à la baisse. Là. Les orifères sont à la baisse. Là. Puis pour encore quelques jours. Comment je voulais vous dire, vous me parlez de quelque chose de 2021, qu'est-ce qu'on fait là? Fait deux fois, vous prenez des profits à la baisse, 90, mettons à 70, fait 20$. C'est à 25% de perte là, sur un tiers. Un autre tiers à 67, c'est à peu près pareil, là. C'est comme deux tiers de pertes aux alentours de 25-30% au cours des derniers mois. Ton opinion pour le restant? Ben, j'ai juste pas de bonnes nouvelles pour vous, là. Agnico Eagle s'en va à 58, là. C'est comme... je pourrais pas dire autre chose. Regarde, je vois pas où il va, comment il va faire pour arrêter avant ça. Regarde, ses supports étaient là, ses prochains supports sont là. Pff, c'est pareil pour toutes les stocks. Regarde. Regardez, je passe vite un peu, là. Mais regarde, voyez-vous des titres rivières positifs, là? Non. Le problème, c'est le US dollar qui continue de monter. Puis le marché, il n'est pas beau en passant, OK? Fait que je vous ai fait toutes sortes d'élucubrations aujourd'hui pour dire, regarde, c'est pas tant le temps d'acheter que ça, là. Richelieu, payé 38,25. Non, mais m'avez-vous vu vous lancer en bull market? Non. Dans le creux, vendredi, en journée de congé, on vous a dit, on achète pas beaucoup de positions, puis des demi-positions. Paf! Puis hier, mardi, on a dit fin du rebond. Hier, mardi, on a dit fin du rebond. On peut pas être plus top-notch que ça. Mais là, essayez pas d'acheter rien, là. Puis c'est trop tôt pour shorter parce qu'on s'en va juste sur le support. C'est juste ça qu'on fait. On s'en va sur le support, puis rendu là, on verra. OK, Richelieu. RCH. Moi, je les aime bien tant qu'à moi. Là, j'en ai pas proche de chez nous. Mais moi, quand je restais dans Nouveau-Rosemont il y a 2-3 ans, là, j'étais là 23 ans, là, j'allais chez Richelieu avant d'aller chez Rona. Hey, là, t'arrivais. Bonjour, monsieur! Qu'est-ce qu'on fait, vous? Ouais, j'ai besoin des vis 3/4 de pouce avec une tête carrée. Par ici, mon ami! Puis, t'as du service en tabarnane là-dedans. Hey, ça me fait-tu rien de payer 50 cents de plus pour ma boîte de vis, moi? Non, moi, j'adorais. Moi aussi, je l'aime bien, cette compagnie-là, mais ça reste que.
c'est la compétition, hein? 38,25 en avril, vendu 75% à 38,50 au début de juin sur le rebond. OK. Oh, ta! 38,25 en avril dernier. Avril. 38,25. 38,18. 38,33. On va prendre ça. OK. Bon, c'est votre achat à 38,18 qui n'était pas bon, là, honnêtement, Claude. Là. Vendu 65% à 38,50. Ouf! Ici, là? Là? Ouf! OK, vous avez été une chance. 65%. Bon, vous en avez resté 35%. Bon. Puis là, ben, là, vous n'avez rien fait. Ben, désolé de vous dire, mais il s'en va à 32,74. Mais après, il va rebondir, là. Mais regarde, après, il va rebondir, là. Comme tout le reste. Mais regarde, il fait comme le marché. Il fait comme le marché. Regarde bien. C'est, ça a l'air niaiseux à dire, là, c'est Richelieu, OK? Moi, mes graphiques, je les ai tellement en tête, là. Regarde. Contrôle F6, pat. Oups! Ça, regarde, pareil comme Richelieu. Ion. Pareil comme Richelieu. Pareil comme Richelieu. Richelieu, il fait comme le marché dans le moment. Puis il s'en va sur son support. En tout cas, si ça change de bord, là, ben ce sera la fois dans ma vie, non, la fois sur 25 fois que je me trompe, mais regarde, le marché s'en va encore par en bas. Je l'ai dit depuis aujourd'hui, c'est mercredi, mardi, depuis lundi. C'est pas parce que je le dis, c'est parce que je le vois. Moi, je suis un enseignant. Je suis là pour vous l'enseigner, pas pour me vanter, Simonac. Pas en tout, il n'est pas besoin de ça. Moi, je pourrais prendre ma retraite demain matin sans aucun problème, mais j'adore ce que je fais. Puis, j'essaie de l'enseigner. Non, mais regarde, là, quand vous me direz qu'il y a un creux que j'ai pas vu, puis un secret, il y a un sommet que j'ai pas vu, là, ça va être l'heure de prendre ma retraite. Salut, Michel. Le titre de Shopify à Toronto fait seulement que je fais dans Trader Plus pour adapter le graphique. Il n'y a rien à faire dans Trader Plus. Tu as juste à rapetisser, tu rapetisses le nombre au début, tu le regardes en minutes, après en 5 minutes, après en 10 minutes, après en 30 minutes. On ne peut pas fractionner parce que ça vient pas de moi, là. Ça vient des serveurs. Les données ne sont pas dans votre logiciel comme dans Market Vision Plus. Fait que, regarde, moi-même, là, regarde, si je m'en vais sur Shopify, là, dans le moment, regarde, Shopify est là. Si je fais ça, mais regarde, vois-tu? Regarde, je suis poigné avec ça, là. Mais non, je suis pris, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais si je le mets en une minute, par exemple, à l'heure qu'on est là, j'ai encore la drop. Mais regarde, en 30 secondes, je l'aurais pu. Oups, attends un peu. Ici. Là, 30 secondes. En 30 secondes, je vais être capable de voir ce qui se passe présentement. OK? Parce que le fractionnement, il n'est pas possible là-dedans. Désolé. Apple, ligne de tendance, 140$. Résistance, 142 ou 150. Revirement de tendance. Wow! Trois questions dans une question. OK. Serge, on va aller là. Apple, dear to you. Apple, dear to you. C'est quoi la question? Ligne de tendance environ 140$. Non. Oui. Ben là, vous n'avez pas dit si c'était... vous avez marqué autre. La seule place qu'il y a une ligne de tendance à 140$, c'est en day trade. Parce que... en swing trade, c'est pas là pantoute. Là. Regarde, on est en une tendance baissière, puis comme le reste du marché, il s'en va par là. Fait que, elle veut dire quoi? Moi, je pense que c'était une question en day trade, puis que là, je sais pas trop ce que vous cherchez. Tendance à 140$, ouais. Ouais, ouais, c'est tiré par les cheveux en crime.
OK, oui, la tendance est là, puis la résistance est là, puis, oh boy, vous êtes en train d'essayer de tirer un lièvre qui court bien vite, puis dans un bois qui a bien de la feuille, puis vous avez un fusil qui tire pas grand, là. Vous avez pas grand-chance d'attraper votre lièvre. C'est ça que je pourrais vous dire. Vacciné 4 fois, je viens de tester à la COVID à mon retour de quelques jours de vacances à l'hôtel à Québec. Ça a duré combien de temps ton réblanchissement à la COVID? Je te dirais 2 semaines. Je sais pas. Parce que moi, j'ai testé positif il y a, ça fait 10 jours maintenant. Là, j'ai plus aucun symptôme. Mais ça a commencé quand je suis allé à la fête de ma petite fille, Mila, parce que mon fils est arrivé avec sa dernière, sa nouveau-né, mais l'autre qui avait 1 an et qui était morveuse, est-ce que ça coulait de même, tout le monde bécote. Oh. Tout le monde a été malade, tout le monde l'a attrapé, mais c'est drôle, on dirait que c'est moi qui l'ai attrapé le pire. Puis pourtant, j'avais été vacciné 3 fois. J'ai pas eu 4, moi, j'en ai eu 3. Elle n'a pas fait le 4e. C'est... Je sais pas c'est quoi tes symptômes, mais moi, c'était... Pas de fièvre. Non, pas de fièvre. Pas en tout, jamais de fièvre. Mais je me levais le matin, je buvais un verre d'eau, je le dégueulais. Aucun appétit. Pas capable de rien manger. Diarrhée, immense fatigue. Je disais à Jocelyn, remplace-moi, il faut que j'aille me coucher. J'allais faire un petit repos avec Maggie, puis là, je revenais, puis là, j'ai réussi à faire des émissions sans essayer de faire rien paraître. Mais ce que ma médecin m'a dit, c'était gastro-intestinal. C'était pas comme l'autre d'avant. La dernière vague d'Omicron, c'était plus intestinal. Ça commence là, puis ça finit à l'autre bout. Le gastro-entérologue, il appelle ça le tube. Donc, mal au cœur, pas mal de ventre, même pas. Non, mal au cœur, toujours envie de vomir, grande fatigue, perte de goût, pas faim, fatigué tout le temps, tu veux toujours te coucher. J'ai dormi, pas sa semaine titre, mais l'autre semaine d'avant, là, j'ai dormi 20 heures sur 24 heures. Je me suis levé des fois pour aller faire pipi, puis aller faire manger Maggie, puis je me suis recouché tout le temps, puis le lendemain, le dimanche. Donc, sur 48 heures, je suis resté couché 30 heures, probablement. Mais, pouf, ping, parti. OK, goodbye. C'est tout disparu. C'est pas pareil pour personne. J'ai parlé à plusieurs personnes parce que j'ai des amis, et ma famille l'a eu, j'ai des amis qui l'ont eu, toute la patente. Puis, ça se ressemblait tout pas mal. Bon, une chance, tu sais, c'est pas respiratoire, là. T'as pas besoin d'aller t'installer sur une machine à l'autre bout. Mais t'as l'impression que t'es fini. T'as l'impression que ta vie est finie. Ça te jette à terre. Mais on a eu des commentaires la semaine passée de clients que j'ai trouvé très intéressants aussi. Côté faiblesse, dans mon cas, ça a été épouvantable. Mais j'avoue que j'étais d'accord un peu avec lui qu'une vraie grippe d'homme, là, tu sais, celle-là qui se garoche dans tes bronches, là, que tu tousses, ça fait tu sais, là, que tu as l'impression que tes poumons vont te sortir par la bouche, là, OK? Bon, dans le fond, c'est moins pire que ça. Ça dure même moins longtemps, parce que la grippe, ça peut durer une semaine. Mais ça a été... Moi, je pense que je l'ai eu au moins 2 ou 3 fois depuis dans la dernière année, même si j'étais vacciné. Pourtant, j'ai toujours porté mes mains, j'ai toujours lavé mes mains. Puis là, par exemple, ça a toujours été les mêmes cristis de symptômes. Puis là, je pourrais soulever une montagne. C'est fou, ça disparaît comme c'est arrivé. Fait que je te souhaite bonne chance, mon Claude. Tu vas passer à travers. Pourquoi ça s'appelle gourou.tv?
te considères-tu comme un gourou? Ben, je sais, si c'était... C'était ma discussion du temps. J'ai jamais aimé ça. Hey, je me suis déjà présenté comme gourou une seule fois depuis que gourou.tv existe. Non, gourou, c'était des gourous. Parce que quand j'ai parti gourou.tv, là, c'était une grosse salle d'analyste là, qui avait 24 pieds par 24 pieds avec 52 écrans de 42 pouces alentour, puis une régie, puis 6 caméras, 12 analystes. Donc, c'était des gourous. C'était pas un gourou, c'était « on est les gourous ». Mais c'est parce que c'était un nom accrocheur. C'est comme, écoute, regarde, regarde une compagnie qui s'appelle, aux États-Unis, elle s'appelle Intuit. OK? Intuit. Comme Twitter. OK? T'as-tu envie d'être un tweet, toi? Moi, ça me tente pas d'être un tweet. Moi, j'aurais jamais eu une compagnie qui s'appellerait Tweet. Bon, je t'aurais eu de même. C'était l'idée de Mario Lamoureux qui trouvait que c'était vendeur, puis on l'a laissé là, puis on l'a gardé là, puis moi, je trouve ça niaiseux, des fois, changer de nom. Si vous pensez que c'est prétentieux, ça ne pourra pas en tout. Pas la pas en tout de la manière que c'est arrivé. En fait, j'ai toujours détesté ça. Je surveille 16 secteurs. Bien, autrement dit, tous les secteurs, Claude. De plus en plus, tous les secteurs et leurs titres poussent parfaitement en même temps. Mais ça, c'est ce que je répète quasiment tous les jours. Peu importe la valeur du titre ou des transactions en intra-séance, comment est-ce logique car la situation financière de ces compagnies et chaque secteur est différente? Je le sais. C'est une très bonne question, Claude. Mais est-ce que j'ai la réponse? Oui. La réponse, c'est que les marchés maintenant marchent à l'unisson et que l'information est tellement hyper connectée ensemble, aussitôt qu'il arrive quelque chose, il y a toujours l'effet des millions de day traders qui se font agir à très court terme, donc ça ne dure pas longtemps ou ça va durer longtemps. Il y a l'effet des swing traders, puis il y a l'effet des... du marché, les grosses entreprises qui ne veulent pas laisser tomber le marché. C'est toutes des choses mélangées. La réponse, c'est la vitesse de l'information. Ben oui, c'est la vitesse de l'information, c'est le nombre de traders, c'est le nombre de comptes, puis c'est le fait que les compagnies sortent toutes les nouvelles en même temps. Pff, écoute, pourquoi quand le marché plante, tu sortirais des bonnes nouvelles là, aujourd'hui? Là, ça, c'est comme perdre ton temps. Il n'y a pas juste une seule réponse là-dedans, mais vous avez une bonne vision des choses. OK? Jocelyn et vous et moi et beaucoup d'autres mondes pensent la même chose. Ça ne nous empêche pas de tirer notre épingle du jeu. Quand ça va être le temps, ça va être le temps. Le dernier rebond, on a pu en profiter. Là, c'est fini. Si vous ne vendez pas, bien, gars, c'est tout bad. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Un cycle à la hausse dans un rebond. Les assurances, ce qui a le plus d'incidence, c'est le nombre de réclamations. Tu peux réclamer 50 000 sans incidence et quelqu'un peut faire 3 réclamations de 500 ou 1000 et ne plus être assurable. Ben oui, je sais, j'ai connu quelqu'un qui était vraiment badlocké, c'était un ami, puis le gars, il a eu comme 5 accidents. Comme, bien, moi, j'en ai eu 2, là, mais c'est pas de ma faute à moi, et 3, OK? Il y en a que j'ai pas réclamé. Hey, je m'en vais sur Ontario en moto, le gars, le petit jeune qui s'est pas chauffé, là, OK? Il se braque direct en avant de moi, puis il y a un char qui s'en vient en avant. J'ai pas d'autre place à aller, OK? Mais sur Ontario, au centre-ville de Montréal, il m'a dit, tu roules pas vite, là. J'étais à 25-30 km. Mais, regarde, pas question de foncer dans le char de même. Pff, j'ai couché le bike. That's it. J'ai couché le bike. Puis, j'ai eu graffiné mes crash bars, puis déchiré mes jeans. Ils ont relevé toute la patente, on est allé au bord de la rue, puis j'ai dit au gars, j'ai dit, garde, toi, c'est toi le responsable de la patente. J'ai dit, garde, fais-moi un transfert Interact 500$, puis on parle pas de rien. Le gars m'a fait ça, rubis sur l'ongle, pit, datit, puis on est reparti. Bon, pas déclaré ça aux assurances, c'est pas de ma faute.
La deuxième affaire, je me fais rentrer dans le cul il y a 2 ans par une madame noire qui est pressée, qui sort du Costco parce que sa gardienne l'attend à la maison, elle texte au téléphone, puis elle me rentre dans le derrière. Hey, elle sort du truck, puis elle m'offre 500$. Elle dit, monsieur, elle dit, je suis pressée, j'ai ma gardienne qui m'attend à la maison, je peux-tu vous donner 500$? Ils disent, je m'excuse. Je sais comment ça coûte chez Harley. Un changement d'huile, ça coûte plus cher que ça. Ça fait que ça a coûté 5 800. OK. Bon, là, je ne l'ai pas passé. Je ne l'ai pas déclaré à la police. Je suis assuré, moi. OK, mais celle-là, l'assurance a payé. Puis là, je me fais vandaliser dans le parking. Je ne suis pas tout seul. Là. Il y a eu 3 ou 4 personnes qui se sont faites vandaliser. Il y a quelqu'un qui s'est fait enlever son char, puis ils ont fait des courses dans un des 4 niveaux de stationnement en bas. Des ados là, qui ont réussi à rentrer. Là. Fait que pas pour rien qu'ils capotent le monde, ils ont toujours peur de ça. Fait que ils sont venus faire du racing. Ils ont volé des autos dans le cave, ils ont fait du racing. T'sais, moi, je me suis fait vandaliser ma moto. Fait que c'est vrai. Si je déclare tous ces événements-là, ils vont dire que je ne suis pas assurable. Ben non, mais je suis un risque. C'est ça qui est le problème. Fait qu'il faut toujours calculer au moment de déclarer quelque chose si ça vaut la peine, parce que c'est vrai, la personne qui dit « tu deviens un risque ». L'émission de 10 heures n'est pas disponible en différé, Birdman nous dit, Jocelyn. En plus, c'est à ton show, ça. Bombardier, triste histoire, je considère shorter à 18,48. Vous auriez peut-être dû commencer déjà. Ouais. Non, c'est pas une bonne idée, Claude. Non, regarde, c'est pas une bonne idée. Regarde, il a fractionné dernièrement, là. OK? Puis regarde, là, ici et ici. Bien, regarde, t'as un cycle baissier qui commence à avoir des vertiges dans les jambes, là, OK? Il a envie de se dégourdir les jambes, là. C'est un peu rough. Je trouve qu'il y a de la place, mais pour l'instant, il y a trop de place à un rebond. Tu sais, ici, là, tabarouette, regarde, t'as un cycle, 2 cycles. Ce serait le 3e cycle à la baisse. Je trouve qu'il est un peu tard pour ouvrir, je trouve qu'il est un peu tard pour le short et clos, là, honnêtement. Analyse SEK, Sekova Variation, n'est pas tant donné. OK, ça fait 9 minutes, Sekova, S-E-C-O-V-A, ce serait beau, c'est un beau nom, ça. S-E-C-O-V-A. Excusez, t'es en train de m'étouffer. On fait une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit.
vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques, comme YouTube et Facebook, ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Qu'on fait pour nous attirer des clients. Puis l'audience, elle ne marche pas le mercredi. Puis c'est oui. Facebook, c'est Twitter, c'est je ne sais pas c'est qui. Oui, c'est... Oui, là, ben, à date, ça a toujours tout pointe vers le YouTube. Là, qui même si on regarde sur YouTube, directement, il n'y a pas de... Mais ça veut-tu dire qu'on n'est pas distribué sur YouTube? Ça veut-tu dire que YouTube non, nous compte mais, pas? Non, mais regarde, je vais sortir les articles que je peux là-dessus, mais il me semble que...
Bon, je suis désolé. C'est une journée extrêmement mouvementée aujourd'hui. Puis là, j'étais un appel important avec Gilles pour vérifier l'audiomat. Parce que, il y a des problèmes avec Waza. Moi, je pense que l'audiomat n'est pas précis. L'audiomat, c'est le nombre de personnes qui sont présentes. Comme des fois, je pose des questions, puis j'ai l'impression qu'il y a juste 60 % des gens qui ont répondu. Comme ça se peut pas que les autres répondent pas, tu sais. Fait qu'on fait des tests. Fait que là, Gilles va m'envoyer une procédure la semaine prochaine, une telle journée. Il n'y aura pas de questions avant l'ouverture des marchés. Il n'y aura pas de questions avant telle affaire. Puis après, à une telle heure, on va ouvrir la barre de questions, puis on va nous monitorer tout ça pour retourner. Parce que Waza, c'est une grosse compagnie, là. Ça fait que, donc, on va faire... Fait qu'il est en train de m'expliquer ça, mais il dit, quatre fois, je retourne en nom, Analyse. Ah oui, SEK, on ne l'a pas fait. Analyser SEK. Je ne connais pas ça. Ça n'existe pas pour moi. C'est sur une bourse de pacotille. Je n'ai jamais vu ce symbole-là. Non, désolé, Claude, SEK, ça n'existe pas pour moi, c'est sur une bourse de pacotille. Bonjour, voyez-vous un point d'entrée HND? Pétrole, ici. OK, fin du rebond pour les pétrolières, fin du rebond pour les ISO, fin du rebond pour les pétrolières et fin du rebond pour le gaz. Voyez-vous un point pour acheter HND? Bien, regarde, c'est bien facile. Vous prenez un logiciel comme Market Vision, vous mettez ça en 30 minutes, OK? Puis regarde. OK? Tendance baissière. Inversement de tendance, inversement de résistance. Donc, tant... Oh, ma ligne est croche. Excusez. 23,80. 24 piastres UNG. Pas avant ça. La Banque nationale ne voulait pas prendre mon short sur Bombardier. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi. Regarde, je ne peux rien faire avec ça. Vous pourriez me dire la même chose avec la Banque de commerce ou whatever. Pourquoi on ne peut pas shorter Bombardier? Bon, je vais me garder... je vais regarder mes commentaires. Aucune idée, parce que c'est compliqué, la vente à découvert. C'est pour ça que... Ça prend. D'ailleurs, j'ai un courriel d'envoyer au directeur de CDBN où je lui ai demandé pour la semaine prochaine, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi, demain, il y a une émission. Ben, ce ne sera pas demain. Probablement mardi prochain, dans la section swing trading, même day trading, ça va être les mêmes règles. J'ai demandé à Robert s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait venir nous expliquer pour faire une session complète pour couvrir la vente à découvert au complet, là. Quelle sorte de compte que ça prend, combien que ça coûte faire ça, c'est quoi les contraintes, puis tatati, puis tatata, puis si, si, puis si, ça. Puis là, on devrait avoir beaucoup de questions des gens là-dedans. Fait qu'on va faire un segment qui... Moi, je vais être là à titre de commentateur pour entrer les questions puis tout ça, mais c'est eux autres les experts. Moi, ce ne sera pas quand est-ce qu'on va en découvert puis quand est-ce qu'on rachète. Eux autres, ils vont être là pour vous expliquer les règlements, OK? Fait que j'ai demandé à Robert, on va voir, je devrais avoir une réponse positive là-dessus. Le marché, il reste encore vraiment plate. Vous voyez là qu'il ne se passe rien du tout. Regardez, le gaz, il est en train de chuter présentement, en plus de ça. Puis le pétrole aussi, le pétrole aussi est en baisse. Les pétrolières sont en baisse, les orifères, l'or, l'uranium. Les mines sont stabilisées, et puis les secteurs mélangés sont un peu mélangés. Oui, ils sont pas mal mélangés, là. Ils s'en vont tous de côté, on ne sait pas encore où on s'en va.
Mais vous avez. Moi, regarde, je n'ai pas changé mon affaire aujourd'hui. On est toujours dans une correction, puis on s'en va toujours en bas sur le support. Oh, moi, je suis en meeting le reste de l'après-midi. Jocelyn va être avec vous à 14 heures. Ouf, bonne chance. Maudit marché. Fait que. Puis moi, je suis en réunion toute l'après-midi. Puis là, il me reste 20 minutes pour faire mes téléphones. Fait que merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Écoutez, ne vous empressez pas trop, là. OK? Regardez, là, je finis sur les marchés. OK? Regarde, voyez-vous une direction haussière quelque part, là, dans les marchés? Non, hein? Ça fait que, donc, empressez-vous pas. Mais dites-vous qu'on s'en retourne tout simplement au point fastidique, le creux qu'on était avant le rebond. OK? Fait que c'est ça qu'on fait, là. On s'en retourne sur le creux qu'on était avant le. Il y a trop de lignes, hein? Fait que on s'en retourne sur le creux qu'on était avant le rebond. Sur Nasdaq, regarde, on était là, puis on s'en retourne là. Ça, c'est Nasdaq. Ça, c'est le Dow. On s'en retourne là pour l'instant. Puis le SPY, on s'en retourne là pour l'instant. Puis le SPTT, on s'en. Oups, un petit peu plus bas. Un peu mélangé. En tout cas, on s'en retourne là. OK, d'accord. Fait que c'est ça la prévision à très court terme. Passez une excellente après-midi.